Comment ça va ce matin? Un beau sujet ce matin, on va parler de pardon. Savoir pardonner, mais savoir, c'est se pardonner pour arriver à vivre justement cet état de septième ciel. Hein? C'est ce bien-être qu'on recherche tant. Qu'est-ce que c'est que se pardonner? Mon Dieu, moi je pense que c'est tellement... Le plus important, s'il y a une chose importante, je pense que c'est ça. Je pense que c'est le pardon. Sans le pardon, on ne peut pas trouver cette paix du cœur. On ne peut pas trouver cet amour envers soi. Se pardonner, je pense que c'est d'être capable de s'accueillir avec douceur, de pouvoir se bercer, de pouvoir accepter, en fait, l'expérience. Accepter que la vie m'a apporté cette expérience que j'avais besoin de vivre et pour laquelle j'avais besoin d'apprendre quelque chose sur moi. Donc, d'accepter que même si je suis imparfaite, même si je fais des erreurs, même si je réagis, même si je suis pas comme je voudrais toujours être, hein? Le fait de l'accueillir, le fait de lâcher prise sur le contrôle que j'ai pas, de vouloir mener, diriger et de refuser ce qui se présente à moi, de refuser l'expérience qui est là, ben c'est ça le pardon. Hein? Et plus je refuse, plus je me sens mal, plus je suis pas bien. Et quand j'arrive à m'aimer suffisamment, à m'accorder assez de douceur et d'importance pour dire, garde là, t'es pas parfaite, mais tout est parfait. Tout ce qui se passe est parfait. Tout ce que tu vis présentement, c'est parfait. C'est exactement ce que t'as besoin. Fait que, prends-le pour toi. C'est pas contre toi. C'est pour toi. Que tout ça arrive. Quand on arrive à changer cette perception des choses où les situations qui arrivent nous arrivent pas contre nous, mais pour nous, là, on arrive à avoir plus de douceur envers soi. Et ce qui est fantastique avec le fait de pouvoir s'accueillir dans cette douceur-là, d'accueillir ce qui est, ce qui se présente, de ne pas avoir cette résistance face au changement, face à l'épreuve, face à toutes les situations qui se présentent à nous. Le fait d'accueillir ça, ça fait... Ça crée un calme, une douceur, une bienveillance qui fait qu'on peut être présent pour l'autre. On peut être vraiment présent pour l'autre quand l'autre a besoin de nous. Hein? On peut être un réconfort. On peut être un réel réconfort et dire, garde, tout est parfait. Je suis avec toi de cœur. Je le sais que tu es capable d'avoir confiance en la capacité de l'autre. Ça, c'est sortir de la culpabilité. Voyez-vous l'impact majeur que ça peut avoir que de se pardonner? Quand j'étais jeune, j'entendais souvent ma mère dire... c'est facile de pardonner, mais c'est de se pardonner qui est le plus dur. Je comprenais pas vraiment ce qu'elle voulait dire à cette époque-là. J'étais jeune et j'écoutais, puis ça me faisait « Ah oui, ce qui est dur, c'est de se pardonner. » Et j'observais et j'essayais de comprendre. Et finalement, c'était une parole très sage. C'est vrai que c'est plus facile de pardonner aux autres que de se pardonner à soi. Parce que quand on se pardonne à soi-même, c'est qu'on finit par accepter qu'on est imparfait. Et que
tout est parfait comme ça, que c'est excellent. Et que même si on n'a pas d'emprise sur ce qui nous arrive comme tel, sur l'événement, sur la situation, sur les choses qui font qu'on peut être blessé, qu'on peut avoir mal, qu'on peut faire réveiller ces souffrances-là qu'on porte en nous, le fait de pouvoir revoir, regarder ça d'un œil accueillant, avec douceur, puis de faire « Wow! » OK. Pourquoi résister? T'sais? Pourquoi est-ce que je résisterais? Si je reviens encore à la sagesse amérindienne, c'est tout est mouvement, tout est perpétuel changement, le cycle de vie, le cercle de médecine, tout bouge continuellement. Hein? Les feuilles vont tomber, ils vont revenir, les bourgeons vont pousser au printemps, les animaux vont s'ajuster aussi. La mort fait partie de la vie, il faut accepter ça. C'est juste une autre forme de vie, c'est une transformation. Fait que, je résiste à quoi finalement? Je résiste à « c'est pas ce que je veux ». Pourquoi c'est pas ce que je veux? Ce qui se présente, c'est ça. C'est ça qui est. C'est ça que j'ai besoin de vivre. Et plus je vais résister, plus je vais rester là. Et moins je vais avoir ce que je veux, finalement. Fait que c'est quoi vraiment je veux? Éclaircir ce que je veux. M'accueillir avec douceur, m'aimer davantage. Et on devait parler avec Robert Savoie ce matin, mais c'était pas certain parce qu'il est en Europe, hein, il est en tournée européenne. Et c'est pas facile. Quand tu es en tournée, tu es toujours en mouvement par-ci par-là, tu n'as pas toujours accès à du Wi-Fi, fait que c'était pas évident. Ce matin, on parlait de pardon. Et Robert est avec nous dans Vivre le 7e ciel, dans le programme, pour accompagner les gens. Parce qu'en fait, quand on souffre, quand on a mal, quand on veut aller bien, c'est de la résistance. La résistance à ce qui est. La résistance à l'épreuve, à ce que la vie nous apporte, à ce que l'on est. C'est du pardon qu'on n'arrive pas à se faire dans certains axes de ce que l'on est, qu'on n'accepte pas. Et les différents intervenants qui viennent intervenir au niveau du programme Vive le 7e ciel sont tous là, chacun dans leur approche, pour vous aider justement à accepter qui vous êtes, à reconnaître cette splendeur que l'on peut être. Et Robert, lui, vient interagir au niveau du pardon, qui est majeur, qui est très important. Et toujours là, c'est une question de perception. Comment je perçois le pardon? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à me pardonner? Et à m'accueillir, à me donner cette douceur-là. Des fois, je suis prête à tout donner à tout le monde, mais pas à moi. Qu'est-ce que j'arrive pas à me pardonner? Qu'est-ce que j'arrive pas à me pardonner? J'ai à observer ça. C'est important si je veux être bien, si je veux être libre, si je veux être heureuse de pouvoir me permettre ce plus beau cadeau de vie qui est le pardon. Et Robert nous avance ça d'une façon qui est très belle, que j'aime beaucoup. J'aime être accompagnée par tous ces professionnels, suivre tout mon monde en même temps, parce que moi, je vous l'avance d'un axe de sexualité. Parce que, pourquoi? Parce que justement, notre relation à nous, la plus intime, est logée au niveau des organes génitaux. Et c'est ça qu'on vient faire douceur. C'est ça qu'on vient pardonner, c'est ça qu'on vient accueillir. Et ça fait l'effet surtout sur notre être. Hein? C'est ça qu'on vient toucher. Et les professionnels, je suis allée vous chercher une brochette de professionnels pour vous accompagner dans ça, justement pour débloquer, pour que vous ayez l'occasion de dire « Je m'accorde cette douceur-là, je m'aime et je le mérite. » J'ai assez d'importance pour ça. C'est l'ouverture, hein? On est présentement en inscription. Manquez pas ça. On ferme le 26, fait que c'est dans pas grand temps, dans 3 jours. Le 26 à minuit, les portes vont être fermées. Il va être trop tard, il va falloir attendre au mois de mai pour la prochaine cohorte. Fait que si vous voulez vivre quelque chose de vraiment libérateur, une pédagothérapie qui est vraiment puissante parce qu'on est accompagné par des gens extraordinaires de cœur
eh bien, je vous le souhaite de vivre ça. C'est le temps de prendre rendez-vous avec moi, de prendre un appel pour qu'on en discute, qu'on discute de ce que vous vivez, de voir ce qui se passe en vous et voir si ça concorde ou non dans votre cheminement. Ça se peut. Il faut être prête à s'investir dans un programme comme ça pour avancer. C'est pas juste dire, bon, aucun moment, on va l'essayer. Non. Tu es prête à un changement. Tu veux faire la différence dans ta vie. Tu es prête à t'impliquer. C'est le programme. Vraiment, c'est le programme qu'il te faut. Sur ce, moi, je vous dis, je vous aime, je vous adore et on se revoit demain. Bye bye.